Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Olivier Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle île en voyage onirique sur Animal Crossing. Nous sommes sur une île qui s'appelle Gaiwai. Et vous voyez le drapeau, on dirait Jurassic Park, un beau dinosaure. Allez, on va tout de suite découvrir ça. Pas mal de motifs au sol. Alors, c'est une île, vous voyez ici, des valises. Ok, on prépare son départ. Ok. Il y a un ring de boxe quelque part. En tout cas, c'est une chouette entrée. J'aime beaucoup. Alors, c'est une île un peu particulière puisque je l'ai découvert grâce à Brocor, qui est un... je ferai la vidéo d'ailleurs sur le prochain épisode. La vidéo de son île. Qu'on découvrira donc en épisode 26. Et c'est un YouTuber que je suis... pas mal parce que il fait des lives et ça m'intéresse pas mal. Et l'île de Gaiwai, oui, exactement. Je vais t'en dire beaucoup d'ailleurs. sur l'île Gaiwai, eh ben, c'est une île qu'il a faite, parce que c'est pas moi qui l'ai faite. Il l'a fait hier en live, donc on était hier le 27 octobre. Vous aurez cette vidéo un peu plus tard. Mais sachez... Oh, c'est joli, ça. Alors, j'ai pas tout vu de la vidéo, mais sachez que on a découvert de sacrées belles choses sur cette île. C'est pour ça que je vous la fais découvrir. Regardez ce passage, ici. Magnifique. J'aime beaucoup. Et la personne qu'on a eue pour faire visiter l'île, c'était Clément. Et Clément a plus de 1600 heures de jeu. 1600. Et je crois, je suis pas sûr, hein, mais... Oh, c'est Clément, ça. Retour à l'instinct primaire. Exactement, je crois que c'est un peu ça, ton île. Et... Alors, attendez, c'est... J'ai vu que des maisons sur la plage. Mais elle est très, très bizarre. Hein. Regardez-moi ce... Alors, j'ai pas fait le bon parcours. Je devrais suivre le chemin, mais... C'est magnifique, quoi. Le temps passé à faire tout ça, c'est fou, hein. Voilà, je suis venu de là avec Serena. Mais avouez que pour l'instant, c'est très très joli. Pas mal les décors dans les citrouilles. Alors, je vais essayer de passer par là. Je vais peut-être vous montrer qui sont les habitants sur cette île. Allez, c'est parti. Alors, bien sûr, il y a Clément qu'on a vu. Frédéric, Eros et Poséidon. Ils sont accompagnés de Sabrina, Annie, Kashmir, Meiko, Nora, Grizzly, Tupux, ou Tupu, on va dire Tupu, Étoile, Ramsès et Crabo, pour finir, autant dire. Eh bien, attendez. Les habitants, ils sont tous sur la plage. Regardez. Les 10, ils sont sur la plage. Ok. Alors, comme j'ai pas vu tout sur le live de Brocor, bah, y a des choses que, de Brocor, pardon, il y a des choses que je vais peut-être oublier ou ne pas voir ou ne pas savoir. Il y a du sang ici. Alors là, ça me fait penser à Dexter avec les sacs poubelles. Alors bientôt, il y aura... C'est sans doute ma première vidéo que je ferai sur la mise à jour. Elle sera pour l'île qui nous permettra d'aller ailleurs. Enfin, le bateau qui nous permettra d'aller ailleurs. On verra. À moins que je fasse l'île de Joe. C'est possible aussi. Parce qu'il y aura pas mal de choses à faire sur l'île de Joe. Et j'espère faire ça en live. J'espère que ça se fera. J'ai un peu de mal à me connecter, en fait, pour le moment, en live. J'essaye de trouver le problème. Oula, la musique un peu angoissante. Ok. C'est pas mal, hein. Champignons et tout, là. Thème coquillage avec les chaises mises à l'envers. Regardez, ça fait moitié château. On va essayer de se mettre plus loin. Peut-être qu'on va mieux voir. Oh. Ah ouais, vous entendez ce bruit?
Waouh. Allez, on va visiter la première maison. C'est celle de qui? Je pense qu'il n'y aura pas de maison attitrée. C'est Poséidon qui habite là. Allez, c'est parti. Première maison. C'est angoissant déjà. Le couteau de boucher est ici. C'est pas très avenant comme endroit. Allez, on va au fond. Ça me fait penser à Annabelle la poupée, ça. C'est très angoissant. J'aime pas trop les exorcistes. Et tout ce qui s'approche des poupées maléfiques. C'est très bien réalisé, n'empêche. La sordide poupée. Allez. Nous voici dans une nouvelle pièce. Et c'est une pièce angoissante. Très angoissante. Alors. Bon, je l'ai vu dans le live, celui-là. Alors, je peux vous le dire. C'est l'exorciste, le thème. Alors, apparemment, il y aura un film à chaque fois. Et, bien sûr, ce qui me fait penser à l'exorciste, c'est pas la tenue, hein, mais c'est bien le vomi vert qui est ici. Alors, je l'ai vu dans le live, mais je sais pas si on peut faire une croix. Mais ça aurait été bien de faire une croix ou un personnage, une sorte de prêtre avec un costume, puisque Clément qui joue sur cette île a fait pas mal de vêtements, donc notamment un qu'on verra un peu plus tard, je pense. Et donc, je pense qu'il est possible de faire quelqu'un, une sorte de curé, ou pour faire l'exorciste à fond, et avec une croix. Et à la rigueur, il faudrait en faire deux, puisqu'ils étaient deux. Allez, pièce suivante. Alors là, je ne connaissais pas, mais c'est le léprochaume, donc les films léprochaume. Je sais plus combien il y a eu d'épisodes, je crois qu'il y en a au moins eu 5, si ce n'est 6. Alors, je connais pas complètement, c'est vrai que c'est une sorte de nain, un peu léprochaume. Un peu comme ça, un peu plus horrible, je crois, quand même. En tout cas, faut quand même admirer la qualité du travail. C'est très bien fait. Allez, suivant. Alors, autant vous le dire tout de suite, quand vous faites comme ça une maison avec que des thèmes au niveau horreur sur Animal Crossing, il faut quand même sacrément balèze pour reconnaître le film. Et quand la personne vous dit quel film c'est, vous pouvez être que content et satisfait. Donc Clément a été très satisfait quand on lui a dit que cette pièce-là, c'était... Eh ben, le film Christine. Alors, c'était pas des voitures de course, hein, c'est ça qui est un peu dommage. Mais c'est tout à fait ça. Alors, il me semble que la voiture de Christine, elle est plutôt bleue, je crois, non? Je ne sais plus. Elle est bleue ou rouge? Peu importe. On va au sous-sol, où je pense que ça va être pire. Alors là... Alors ça me fait penser à la colline à des yeux au niveau du mur et de la route, mais on était parti aussi sur Tremors, un autre film d'horreur, et d'après ce qui est sur les côtés, c'est plutôt Tremors, mais les deux étaient valables et franchement c'est très très bien. Bravo. Il y a des araignées au sol. Ça fait moitié poncé au Predator au niveau du visage. Ah. C'est Signe, le film Signe. Avec les extraterrestres. Et puis le symbole au sol. Ça ressemble beaucoup à ça. Alors je peux pas passer pour aller là-haut. On va voir si je peux peut-être par là. Eh ben non.
Alors, est-ce que je peux faire tout le tour? Il y a du monde dehors, en tout cas. Bon, voilà, j'étais parti dans le mauvais sens. Je reviens. Donc, j'aurais sans doute coupé un petit bout. Je pense qu'il faut que je redescende complètement. On va essayer d'aller par là. Ah non, hein. J'ai un doute sur... Ah, je pense que si, je vais pouvoir... je pense peut-être passer par-dessus, là. On va voir. Il y a une tombe ici. Oh, une petite douche sympa. Alors, il a quand même mis des fleurs, hein. De chaque côté ici, ça fait comme un V. Alors, je vais essayer de faire la maison qui est complètement de ce côté-là, si je peux, hein. Est-ce que c'est pas dangereux de faire ça? Mais vous voyez comment son île a été travaillée, c'est vraiment incroyable, quoi. Allez, tout de suite, la deuxième maison. On est dans quoi, là? Oh, c'est Alien! C'est Alien. Avec l'œuf et tout. La tenue. L'ambiance et tout, c'est magnifique. Allez, on va au fond. Oh, les œufs. Oh là là. Il n'y a pas grand chose, mais on comprend tout de suite qu'on est dans le film Alien. Là, on est plutôt dans Aliens, le deuxième film, avec tous les œufs. Ce qui était aussi le cas dans le premier, hein. Il y a une petite scène au début du film. C'est magnifique. C'est super bien foutu. Oh là 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 là. C'est exactement ça. Avec les tenues. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le film, c'est vrai que c'est assez difficile de repérer des trucs ou de se dire « Ah ouais, c'est Alien ». Mais quand vous connaissez le film, là vous appréciez le travail effectué, c'est très très bien, bravo. Alors bien sûr, il faut un peu d'imagination pour repérer les choses, pour les faire déjà. Là je pense qu'on est dans Alien le Retour, enfin Aliens, pardon, le Retour. Sans doute un de mes films d'action préférés. On est à la fin du film, là, et Sigourney Weaver, alias Ellen Ripley, se met dans le robot, qui est jaune également, et elle combat la reine des xénomorphes. C'est une horreur. C'est une boucherie, un carnage. Allez, pièce suivante. Là aussi, on est dans Aliens le Retour, et ici on est dans le labo. Le labo où on observe les aliens pour savoir ce qu'on peut en faire pour en faire une arme biologique. Avouez que les humains sont parfois un peu stupides. Pensez ce que la créature peut faire. Allez, on s'en va. D'ailleurs, à ce niveau-là, je vous conseille les répliques d'Ellen Ripley sur Burke quand elle découvre qu'il l'a trahi. Elles sont juste magnifiques. Alors là, j'ai un petit doute. On est dans le 3 ou dans le 4, là. Peu importe.
En tout cas, vous avez compris que l'ambiance était omniprésente par rapport au film. Voilà, on a fini la maison 2, qui était une maison exclusivement réservée au film Alien. Donc, bon, il y a quand même plusieurs films, donc ça va. Salut! Ah, maintenant, t'es le même, c'est toujours Frédéric. Frédéric, ton île est magnifique. Alors ici, c'est Méli-Mélo. Il y a les sœurs doigts de fée qui ne doivent pas être loin. Il y a le musée ici. Voilà. Alors, l'autre, la maison suivante, ce sera notre dernière maison. Ah oui, je me souviens. Comme je vous l'ai dit, au tout début de la vidéo, je l'ai fait sur la chaîne de Brocorse. On l'a vu en voyage onirique. Et c'était, je crois que je peux passer par là. C'était magnifique. Un très beau live, d'ailleurs, de notre ami Brocorse. Alors, si tu regardes cette vidéo, Brocorse, n'oublie pas que je ferai ton île la prochaine fois. Oui, on peut faire un petit... Super. Ou je serai extrêmement méchant, comme d'habitude. Je pense que les deux... Oh là là, regardez ce travail. Je vais essayer de refaire un peu. C'est magnifique. Je crois que définitivement, je ne mangerai pas avec Clément et Frédéric. Les gars, c'est pas possible. J'aurais trop peur que vous... du poison. C'est vraiment magnifique ce que vous avez fait sur votre île. Alors, ça plaît ou ça plaît pas, hein, c'est toujours pareil. Il y a même des canons. Vous voyez que les deux maisons sont l'une à côté de l'autre en blanc. Très très bien. On a l'impression que la tour de Pise est droite. C'est étrange quand même. Et vous avez mis quelque chose en dessous, Léa, ou quoi? Allez, on va commencer par celle-là. Alors, sur le live que j'ai vu, je n'ai pas vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Je suis arrivé un peu plus tard. Vous voyez que... on a une bonne musique. Magnifique. Je déteste ça. Alors, de la magie noire. Il y a les champignons. Il y a le chapeau ici. Les sorcières. Des sorcières. Oh, il est chouette celui-là. Noir et blanc aussi est pas mal. Allez, on va au fond. Alors, ça aurait pu être tous les tueurs en série qui portent des masques. Michael Myers, Jason. Scream, Ghostface plutôt, etc., etc. Je ne sais pas trop. Et je pense que ça peut être ça, hein. Les tueurs au masque. Alors, c'en est un qui recoue là. C'est le tueur qui recoue les cadavres. Pièce très lugubre encore, hein. Même si elle est bien éclairée, le sang, tout ça, le t-shirt et le manteau plein de sang, plus la musique bien dégueu. Allez hop, oh, une pièce tranquille avec une musique. Là, vous l'avez reconnu, il est là, le personnage, sans doute un des... Alors, pas Pennywise, les derniers films, mais les premiers, parce que j'étais tout jeune, c'était ça. Où Il revient, c'était aussi. Ils ont donné deux titres, hein, au même film. Mais c'est exactement ça. C'est la bouche d'égout, l'endroit où notre Pennywise rentre.
et fait des malheurs. Et vous savez qu'il aime bien les jouets, les jeux pour enfants, les ballons surtout. Alors peut-être, un petit reproche, ça manque de ballons en fait. Mais des petits ballons. Mais peut-être que tu peux pas les laisser au sol, je sais pas. En tout cas, c'est ce que j'aurais fait. Moi, j'aurais mis peut-être un ou deux petits ballons au sol si c'est possible. Si tu as les ballons de Pâques. Les ballons de Pâques peuvent passer peut-être. Je pense que ça serait une bonne idée d'en mettre. Alors, je ne sais plus si c'est sur le Pennywise récent, est-ce qu'il y a autant de ballons. Mais dans l'ancien, les ballons étaient omniprésents. Eh bien, écoutez, on va se laisser... Je vais éteindre. On va se laisser là pour cette vidéo. Vous n'aurez pas vu toute l'île. Je vous laisse la surprise. Il y a le code onirique en bas de la description. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, pour découvrir le reste de l'île. Moi, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.